Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous demander d'aller sur philippebuffon.org, de me contacter pour pouvoir témoigner de ce qui vous chagrine ou de ce qui vous émerveille. Oui, de ce qui vous émerveille dans ce monde. Où que vous soyez, c'est ça qui est important. Dans le monde, en Afrique, en Asie, évidemment aux Amériques. Venez. Donc, contactez-moi sur philippebuffon.org. Nous ferons une petite réunion Zoom et ensuite, je publierai cette réunion avec votre autorisation. Attendez, avec votre autorisation. Votre visionnage. Voilà. Eh bien, écoutez, contactez-moi. À très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, je vais faire un numéro spécial sur la Bosnie. En effet, nous allons partir à Sarajevo. La presse occidentale s'inquiète de ce qui se passe en Bosnie. Le dirigeant bosno-serbe Milorad Dodik a décrété 3 jours de célébration pour honorer la proclamation d'une République des Serbes de Bosnie, l'actuelle Republika Srpska. La proclamation a eu lieu 3 mois avant le début du siège de Sarajevo et aux yeux des Bosniaques musulmans, les célébrations sont aujourd'hui une provocation. J'ai voulu en savoir plus. Alors, j'ai contacté en particulier une habitante de Sarajevo qui m'a répondu sur ses craintes, ou pas, de voir une sécession en Bosnie et la guerre en Bosnie. J'ai vu qu'il y avait eu des fêtes de l'indépendance en République Srpska. Est-ce que c'est vraiment grave? Bah, écoutez, il ne faut pas oublier que cette fête a lieu chaque année. Je ne sais pas pourquoi cette Bon, année, alors pourquoi? Et pourquoi on a fait tout un... Ah oui. Pourquoi on en parle cette année-là? C'est plutôt ça la question. Donc, c'est rien de Bon. nouveau. Le 9 janvier, c'est même dans mon cerveau quelque part qu'il y a. On sait que chez eux, c'est la fériée. Donc, on est jaloux. donc, c'est rien. Vraiment, ce que le média et les politiciens peuvent faire, c'est incroyable. Incroyable. Moi, j'ai même pas fait gaffe à ce jour-là, honnêtement. J'ai même, comme si c'était un jour normal, enfin, ça me touche plus. Mais tu as pu voir dans les journaux français, hein, il y avait des photos et tout, inquiétude, extrême inquiétude de la population par rapport à cet anniversaire. Bah, il faut revenir l'année prochaine, je ne sais pas où il faut chercher dans les Oui. archives pour voir que c'est chaque année comme ça. C'est rien de nouveau ici. Chacun fait ce qu'il veut parce que voilà, c'est comme ça. Ici, en France et en général en Occident, toute la presse fait écho d'une volonté de la part de la République serbe de partir de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'avec les Croates. De faire sécession. Comment vous le ressentez-vous ici à Sarajevo? Actuellement, les gens parlent de ça parce que c'est dans le média tout le temps, dans la presse, on en parle. Et la plupart des gens vont vous dire parce que tout ça, cette mise en théâtre, c'est à cause des élections qui vont avoir lieu l'année prochaine. Donc, ça peut être une des raisons. Mais c'est vrai que la République serbe et leurs politiciens voulaient toujours se séparer de la Bosnie. Donc, pour moi, en tant que quelqu'un qui vient d'ici et qui adore ce pays, je pense que ça c'est pas quelque chose d'intelligent et je pense que ça va pas arriver. Bon, vous allez de tous les côtés, je veux dire, vous allez en République Srpska partout, à Belgrade, en Croatie, etc., etc. Vous circulez.
Bien sûr, et je vais continuer à le faire. Je vais en Croatie où je suis presque comme chez moi. Je vais en Serbie que j'adore. J'adore Belgrade, j'adore l'atmosphère de cette ville. Ils sont super accueillants, sont géniaux. Moi, je suis allée à Belgrade pour la première fois il y a quelques années, donc je ne connaissais pas avant. Je vais partout en Bosnie, République serbe, tout ça, je suis là. Une fois, enfin, j'adore mon pays. Pour moi, c'est pas Fédération, République serbe, je sais pas, une entité des Croates. Pour moi, c'est mon pays, la Bosnie-Herzégovine. Ça va rester comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir parce que ce pays a beaucoup de potentiel, beaucoup de beauté, beaucoup de possibilités pour développer, pour créer quelque chose de bien, quelque chose qui est efficace, quelque chose qui peut nous réunir tous. Donc, ça dépend de quel côté vous regardez tout ça. Après, c'est vrai que la Bosnie-Herzégovine, on a vu ça et vous allez voir ça si vous étudiez l'histoire. On est à la frontière entre l'Ouest et l'Ouest et ça va toujours être comme ça. Mais aujourd'hui, on est au 20e siècle, il faut savoir mettre tout ça derrière et créer quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas le but de tout détruire, c'est le but, c'est être intelligent et de créer quelque chose de bien. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui le danger d'un conflit à nouveau en Bosnie-Herzégovine? Je ne fais pas de pronostic là-dessus pendant très longtemps, et on peut le penser encore aujourd'hui. On a l'idée qu'un tel processus ne peut aboutir qu'à une solution violente. D'ailleurs, l'opposition à Milorad Dodik au sein de la Republika Srpska n'a pas voté ces rapports en disant c'est pas que nous on est contre le fait d'un jour de rejoindre la Serbie, c'est qu'on pense que ce que vous faites là va nous conduire immanquablement à la guerre. Donc il y a cette conscience-là. Encore une fois, il n'y a personne en Bosnie qui est en train d'appuyer ce qui est en train de se passer. On n'est pas comme il y a 30 ans, il n'y a aucun mouvement populaire pour ça. Les gens ne sont pas du tout dans cette logique-là. Donc faut bien garder ça à l'esprit quand on se dit ah, mais de toute façon, ça ne pouvait pas tenir, c'est évident que ce pays est artificiel, c'est évident que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. On n'est pas du tout, du tout dans cette configuration. C'est vraiment une menace, Sarajevo, vous le sentez vraiment? Non, moi je dirais pas. Je dirais, je dis que je dis non parce que pour nous une menace c'est plutôt le fait de ne pas avoir assez de travail, de ne pas être capable de vivre comme on veut vivre parce que vous avez beaucoup de gens ici qui veulent travailler, qui veulent contribuer, qu'ils veulent que quelque chose change, mais ils ont des mains pliées. Il y a plein de segments, plein de domaines sur lesquels il faut travailler ici. Éducation, santé, politique, environnement, tout. Si vous venez ici, écartez le discours politique, vous dites que tout le monde, enfin, comme dans une école, allez, maintenant, tout le monde se calme, vous allez avoir beaucoup de travail quand même. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont peur de franchir les lignes? Par exemple, d'aller de la Republika Srpska à Sarajevo ou inversement? Ce qui m'encourage, je connais les gens qui ont perdu quelqu'un pendant la guerre, qui ont vraiment souffert, mais pour eux, c'est un pays, pas de frontières. Ils ont mis ça derrière eux, ils vivent avec ça, avec les souvenirs et la souffrance, mais ils ont continué. Il faut toujours continuer. Ça sert à rien de rester coincé dans votre coin. Mais alors, les jeunes gens qui essayent de faire des études, etc., etc., ils restent au Sarajevo ou qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est bien à Sarajevo, j'ai vu, on a pas mal de nouveaux universités qui sont payantes, mais dans des bourses aussi, où les jeunes reçoivent une très bonne éducation. Et ça, je suis très contente de voir ça. Bien sûr, il y en a qui préfèrent partir ailleurs ou finir des bonnes écoles ici pour pouvoir étudier ailleurs un jour. Ce qui n'est pas étonnant, en fait. Même malgré la crise, la Bosnie est un petit pays. Donc,
Même si j'étais une étudiante de nouveau, j'aurais bien aimé partir un an ou deux quelque part Oui, dans un pays d'Europe, tu vois. Un bien sûr. échange, Et pour tous les moi, un échange, étudiants, c'est hein. normal. Tous Ça, les c'est OK. étudiants. Tous les Oui, étudiants. voilà. C'est quelque chose de normal. Mais Mais est-ce qu'ils il y a reviennent beaucoup. après? Bonne question, pas beaucoup, pas beaucoup. Ils préfèrent rester, mais il y a des familles entières qui partent. C'est ça le problème, le plus. Un problème qui est aussi grave. Donc, des familles entières qui partent. Notre destination préférée, c'est l'Allemagne. Ben La oui, c'est destination compréhensible, numéro hein. un, Autriche, Allemagne, parce que déjà là-bas, vous avez beaucoup de gens des Balkans, pas seulement Bosnie, des Croates, des Serbes, des Bosniaques. Et d'après ce que j'ai entendu, de ces gens-là qui sont partis, par Oui. exemple, ils sont dans les quartiers ou des immeubles où ils peuvent facilement utiliser que notre langue, pas besoin d'apprendre la langue locale, donc ils sont Ah entourés bon? par les gens des Balkans. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que cette petite interview vous a aidé à comprendre un peu ce qui se passe en Bosnie. À bientôt. Au revoir.